Antonio Guterres, Lula, Ursula von der Leyen, Greta Thunberg, de nombreux dirigeants des grandes organisations internationales, des ONG, des experts du climat et de la finance ou encore des militants seront présents à Paris ces jeudis et vendredis à l'initiative d'Emmanuel Macron. Objectif, tenter de poser les bases d'un nouveau système financier mondial et de mieux armer en priorité les États fragiles contre le changement climatique et la pauvreté. Si nous regardons les choses en face, les inégalités augmentent, la vulnérabilité climatique ajoute encore au risque et notre monde est soumis à des chocs de plus en plus grands. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Un sommet qui n'a toutefois pas pour ambition d'aboutir sur des mesures concrètes. De nombreuses ONG se disent même méfiantes et considèrent cet événement comme une opération de communication et de greenwashing.